super intimidant. Je dois parler dans lequel parce que... Celui-là. Et les autres sont censés prendre la direction. Bon. Bonjour. Bonsoir. Patrick Bouel, 30 ans de chanson. Donc... Juste si vous voulez bien, à chaque fois que vous me parlez, dites-moi de quel journal ou quel... Thierry Georges, Radio Jéricho à Metz. D'accord. 30 ans de chanson. Dans la Place des Grands Hommes, vous chantiez « J'ai connu des marées hautes, j'ai connu des marées basses ». Vous avez quand même davantage connu des marées hautes, voire des marées équinoxes que des marées basses. Tant mieux si c'est ce qui s'est dégagé. Normalement, on doit mettre en avant les bons moments, tout ce qu'on vit. Ce qui est un peu plus difficile, on le garde à l'intérieur, on le met dans les chansons. Bon, il y a eu des marées basses quand même, mais en effet, j'ai eu la chance qu'il y ait, comme vous dites, des équinoxes. Mais j'ai pas de difficulté avec ça parce que moi j'ai aucune. Vous allez arrêter avec les bruits des photos ou pas à un moment donné ? C'est bon, ça y est, je crois que vous l'avez la photo, j'ai pas bougé, c'est la même. Pour vous dire que. Non, moi j'ai pas de difficulté avec ça parce que chaque soir est un enchantement pour moi d'y aller. J'ai jamais eu dans ma carrière une fois où j'ai pas eu envie de monter sur scène pour chanter. Et même au théâtre, ce qui est beaucoup plus difficile au théâtre quand vous jouez tous les soirs la même pièce dans le même endroit. J'étais tous les soirs heureux d'aller jouer le limier ou tous les soirs heureux d'aller jouer le prénom. Et tous les soirs, j'avais l'impression de faire un spectacle différent, de le réinventer. En tout cas, j'ai peut-être appris en tant qu'acteur à réinventer. Ce qui fait que sur scène, quand je chante, c'est d'autant plus facile de réinventer que je change l'ordre tous les soirs, que je change des trucs tous les soirs, que je rends dingue mes musiciens et mes techniciens parce que là, vous voyez, il est 9h moins 20 et eux ne savent pas du tout dans quel ordre on va chanter les chansons ce soir. Et ils ne le savaient pas à Nîmes non plus. Et ils viennent en général 5-10 minutes avant le concert en disant « Mais est-ce qu'on fait comme hier ?» Je dis ben, « Peut-être pas. » Et parfois, je change pendant. Et c'est en fonction de ce qui se passe. J'ai un tel accueil, une telle rencontre avec les gens, avec le public... qui peut me suivre dans toutes mes audaces depuis tellement longtemps que finalement je peux proposer des choses pas forcément prévues. Ça peut aussi être le même spectacle qu'à Marchand Femelle, je sais pas, peut-être, je sais même plus ce que j'ai fait à Marchand Femelle. Mais en tout cas, il y a un éternel renouvellement pour moi, donc j'ai aucune lassitude. Et je pense que si j'avais de la lassitude, je fais tellement de choses dans ma vie que j'aurais l'honnêteté intellectuelle de me dire, bon bah voilà, pas la peine de faire plus. C'est lequel ici? Il y en a deux en plus, donc comme ça on là, voilà. Je me rapprochais de ton truc à toi. C'est le succès de She's Gone et on sait que vous aimez les défis. Ça vous tente un album exclusivement en anglais ou pas? On est en train d'y réfléchir, ouais. On est en train de le préparer. Donc, je vous en parlerai la prochaine fois tranquillement quand on aura plus de détails. Mais bien sûr. Et Ravel Union Press Agency. Vous avez différentes cartes dans tout ce que vous faites. Quelle est la carte que vous préférez? Dans mes activités? Dans vos activités, oui. En dehors de celle de papa? Exactement. Parce que c'est celle-là que je préfère. Je crois que toute activité confondue, ce que je préfère, c'est ce que je vais faire ce soir. C'est chanter sur scène. Je préfère ça à être en studio pour faire enregistrer des albums. Mais j'aime être sur un plateau de cinéma, beaucoup, et évidemment être sur une scène de théâtre. Mais ce qui me rendrait très malheureux de quitter, d'abandonner, de plus faire, c'est ça. C'est les tournées, c'est de chanter, c'est de partager avec un public, que ce soit 15 000, que ce soit 300. C'est juste échanger à travers la chanson. C'est peut-être une des premières émotions que j'ai eues quand j'étais très jeune. J'ai chanté tout de suite devant des gens. C'était ma famille au début. Ils ont été contents quand le public a pris le relais.
de Saint-Belge, ça aussi. Vous avez pas mal tourné en salle dernièrement, maintenant au festival. Est-ce que le concert en salle se prépare, s'envisage autrement du concert en festival? Non. La seule chose qui peut s'envisager différemment, c'est le temps qu'on a, comme il y a d'autres artistes avant nous et parfois après nous. On nous demande de limiter. Bon, quand j'avais fait Les Vieilles Charrues l'année dernière, il y avait un spectacle avant, un spectacle après, donc je devais vraiment faire quelque chose d'une heure et demie pile. Ce qui pour moi est difficile, je ne sais pas faire une heure et demie. Alors j'ai demandé à l'instant dans le couloir, est-ce que je dois faire une heure et demie ou pas? Là, on m'a dit non, t'es le dernier à passer, donc tu peux te prolonger. Mais a priori, il y a quelques effets qu'on n'a pas en festival, mais encore que là on les a parce que vous avez des grands écrans, je crois, ici, donc on est tout pareil. C'est en deux temps. La première fois, c'est la première chose, c'est le sujet de la chanson, Mot d'enfant, qui est sur le cyberharcèlement. Quand je l'ai écrite, c'était une guitare-voix, piano-voix, c'était quelque chose d'assez sobre. Et puis je lui cherchais un costume pour la densifier un peu. J'ai essayé un truc un peu plus pop, puis ça marchait pas. Pop rock, ça marchait pas. Rock, ça marchait pas. Hard rock même. Je sais pas, ça me plaisait pas. Il y avait pas de relation. Et puis soudain, je me suis dit, mais à sujet urbain, musique urbaine, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas une boucle hip-hop. Et la boucle hip-hop est arrivée comme vraiment le... Enfin, elle n'est jamais repartie, elle s'est jamais sortie de ce costume. Donc, qui dit boucle hip-hop dit pourquoi pas un invité, pourquoi pas un rappeur. Donc, j'ai regardé la scène française, que je connaissais moins bien. Moi, je connais très très bien le rap anglais ou américain, mais je connaissais moins bien les français. Donc, j'ai regardé un peu plus, j'ai écouté. Je trouvais que La Fouine avait un super flow, et des textes intéressants. Et il est venu, et en 20 minutes, il a écrit un texte vraiment qui corroborait le propos et qui donnait à la chanson encore plus de force. Et puis ensuite, la tournée a commencé. Lui est venu une ou deux fois, mais quand il venait pas, j'allais pas me mettre sur un écran. Puis non. Donc je me suis dit, j'avais envie de poser moi-même. Je l'avais déjà fait, bon, de manière plus confidentielle. Mais là, bon, je me suis lancé. Puis visiblement, ça a reçu, comme vous dites, l'adhésion de tout le monde. Et puis un jour, en concert, au troisième concert, je me suis retourné vers mes musiciens pendant le concert. Je me suis dit, tiens, ça serait bien qu'il y ait des danseurs ici. Donc j'ai appelé le soir même un copain, un chorégraphe, il m'a préparé une chorégraphie pour deux jours plus tard. Et puis ensuite on a parcouru la France à travers des... On a pris des groupes de hip-hop assez localement. En Belgique, on avait pris un groupe à Bruxelles, on avait pris un groupe à Nancy, dans plein de villes de France, on a pris des groupes différents, parfois des amateurs, parfois des gars un peu plus pros. Il y avait toujours quelque chose d'assez frais, ils préparaient une chorégraphie avec quelques bases qu'on leur donnait pour pouvoir que je puisse m'insérer, parce qu'on avait quand même préparé quelque chose. Et voilà, il y a toute une équipe qui nous a... Il y a une petite équipe qui nous a suivi un peu plus que les autres, une équipe de Nancy qui est d'ailleurs avec nous ce soir. Et c'était intéressant. Et puis maintenant, je ne sais pas si vous avez vu le spectacle il y a longtemps, mais maintenant il y a un film avant. On a inséré un court-métrage que j'ai fait sur le cyberharcèlement. Et là, on a, avec une réalisatrice assez géniale, qui a fait trois courts-métrages. Et c'est la fin du court-métrage dans lequel je joue que j'insère dans le spectacle pour faire appel à un site qui s'appelle e-enfance, un site sur lequel les parents et les enfants harcelés peuvent s'exprimer en toute confidentialité et avec une forme d'anonymat qui est assez nécessaire pour eux. Mais je ne suis pas passé du cinéma à la musique, j'ai fait les deux en même temps. J'ai commencé les deux en même temps. C'est en fait ma particularité, c'est celle-là, d'avoir commencé au début et parallèlement d'avoir fait les deux. Et c'est pour ça que je n'ai jamais été catalogué chanteur qui joue la comédie ou comédien qui chante. C'est les deux en même temps, beaucoup de travail, 100% dans les deux. Mais aujourd'hui, réussir à installer ça, c'était un peu le challenge. Je suis content que ça a fonctionné. Bon, il fallait aussi avoir la chance d'avoir des chansons qui marchent ou des films qui marchent, parce que s'il y avait un des deux qui s'était cassé la gueule, ça aurait été difficile de garder un équilibre. Oui. Si, j'y pense à chaque film que je fais. Et on
m'y fait penser, puisque à chaque fois, les réalisateurs ou les techniciens me disent « Mais tu devrais faire ton film. » Bon, de temps en temps, j'ai deux, trois idées ou des choses. J'ai réalisé la moitié de mes clips. Je les ai presque tous montés. Mais réaliser un film, c'est une urgence. Il faut vraiment avoir une urgence. Il faut que ça vous réveille la nuit. Parce que c'est 2 ans d'une vie. Entre l'écriture, la préparation, le montage financier, le tournage, le montage, montage, la sortie, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, si c'est pas quelque chose de vital, ça prend trop de... Plus tu te penches, plus je suis obligé de faire comme ça pour la regarder. Voilà. Pourquoi pas, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, mais pas dans l'immédiat. J'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai beaucoup de... Je suis content, j'ai beaucoup de propositions de films avec les succès des films d'Enzyme que j'ai fait. Puis il y a le prochain qui va sortir au mois d'octobre qui a l'air pas mal. Donc, puis il y a des... Voilà, il y a plein de choses. Et j'ai qu'une vie et je ne sais plus trop comment mettre les choses dans le bon ordre. Voilà, je mets mes enfants en premier, puis le reste, j'essaie de tout faire autour. La prochaine grosse étape, c'est le cancer, donc il reste 2 minutes. C'est tout ? Ouais. 2 minutes. Allons-y. Attention, il y a les... Merci, les y a les, y a les... Est-ce que tu penses à te naturaliser belge ? Ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Non, beaucoup de tendresse pour eux, beaucoup de tendresse pour la Belgique, beaucoup de tendresse pour votre pays, pour votre équipe de foot. Non, tu as beaucoup d'activités, tu as beaucoup d'argent. Peut-être Belgique moins de. Ouais, mais c'est bien de payer ses impôts dans son pays. Bah non, t'as dit 2 minutes. Ça. Non, ça va, c'est bon. Allez, 5. Si on dit l'anglais pour influencer le site, déjà merci pour tout. J'en prie. Et après une tournée comme celle-ci, est-ce que vos fans pourront avoir la chance de voir sur un support CD ou DVD ? Oui, on va enregistrer probablement Lille, qui est notre dernier gros concert de cette tournée. C'est la fin un peu apothéose pour nous. Je voulais que ça se passe à Lille. D'abord parce que le Nord m'a toujours fêté, que personne n'a jamais, enfin aucun Français n'a jamais chanté au Stade de Lille, et puis que comme je le dis, et que je pense assez précisément, je pense que le 6 septembre à Lille sera la dernière date belge de la tournée. Donc je vous y convie, puisque le premier soir s'est rempli en 3 semaines, parce que les Belges ont été pris de court visiblement, donc voilà, le deuxième soir est pour eux. Oui. Tant mieux. Est-ce que de votre côté, il vous gâte également votre public ? Je ne connais pas la relation qu'ont tous les artistes avec leur public, mais ce que je vis, c'est un rêve. C'est un rêve, je le souhaite à tout le monde. Que ce soit pendant le concert, que ce soit avant, que ce soit après, que ce soit la communication qu'on a ensuite sur Twitter ou sur Facebook. Et puis, que ce soit les surprises qu'on m'a faites. Je sais pas, vous avez vu les images tout à l'heure, à un moment donné, vous avez, il y a plein de ballons ou plein de trucs avec, écrit « Je t'aime » ou écrit tout à l'heure. Ça, c'est des surprises organisées par les fans entre eux. Moi, je ne suis pas au courant et je vois, et notamment à Bruxelles, il y avait un moment donné absolument merveilleux. Sur une des chansons, je parle du printemps, et sur le mot « printemps », il y a 9000 roses blanches qui se sont levées dans la forêt nationale, organisées par les fan clubs français, belges, tout ça. Et des roses blanches tissées à la main. Enfin, c'était pas des vraies roses, c'était des roses en papier. Enfin, je sais qu'elles ont fait ça. C'est juste extraordinaire. Ça. Et des cadeaux comme ça, j'en ai tout le temps. Donc, ouais, moi, je donne beaucoup sur scène. Beaucoup, beaucoup. Il faut pas le nier. Hein, mais je récolte. Incroyablement. Je récupère. Enfin, c'est beaucoup d'amour. Et je crois que c'est pour ça que ça continue. Je crois que c'est pour ça que les gens continuent à venir. Parce qu'ils sont, je crois, jamais sortis déçus d'un concert. Que ce soit ceux qui sont habitués à venir ou ceux qui sont, comme beaucoup, beaucoup en ce moment, des nouveaux, des gens qui se sont laissés convaincre par des fans très convaincantes. Et c'est assez agréable de les voir sortir en se disant qu'eux vont devenir aussi des ambassadeurs derrière. Parce que le spectacle, enfin, ceux qui l'ont vu, ils savent de quoi je parle. Et ceux qui ne l'ont pas vu, ben, ils sauront de quoi je parle ce soir. Ça vous va ? Non, moi je ne vais pas. Ok, merci Marika. À très vite.